Alors les trois bateaux que vous voyez là, ils sont arrivés des Seychelles en catastrophe. Ils ont déchiré, ils ont cassé tout ça, parce qu'il faut que les bateaux soient convoyés pour Panama sur un cargo à Durban. Ils s'en vont aujourd'hui, et le vent, il est de sud. Je vous dis pas combien ils vont encore se faire ramasser. À 2h du matin, il faut partir avec le demi-moteur de la marina. Ça va, la place n'est pas trop mauvaise. Il n'y a pas trop de vent. Je vous l'ai dit, capitaine Bidou, il est un peu en stress. Et m'a coupé. Une bonne météo s'ouvre pour Captain. On va essayer d'aller réparer Blackie à Captain. Je vous montre tout à l'heure la météo. Et ça nous fait 869 000 à faire d'une traite sur l'Afrique du Sud. Ce n'est pas du gâteau. Il est 3h40. Blackie est prêt à partir. Je vous montre la route que nous allons faire. Nous sommes ici, à Richards Bay. On peut sortir à marée haute, quoique il y a quelques catamarans. On peut sortir, je pense, aussi à marée basse dans les petites marées. Il va falloir faire du moteur jusqu'ici. Voilà, merci Jacouille. C'est ton réveil. Il va falloir mettre du moteur jusqu'ici. Et ici, une fois qu'on sera sorti, nous longerons toute l'Afrique du Sud. Et on va essayer d'aller jusqu'à Captain. Vous savez pourquoi on va jusqu'à Captain? Parce que le moteur n'est toujours pas réparé. Et celui qui nous reste, là, le side drive, il merde. Donc on va essayer d'avancer. Nous avons une bonne fenêtre météo. Je vous montre la fenêtre météo. Voilà, le vent va se lever progressivement ce matin, 3h40. Et ça va se lever 10-15 nœuds portant. Donc ça, c'est la règle de l'Afrique du Sud. Le courant des aiguilles est ici. Il ne faut surtout pas prendre avec du vent de sud-ouest de plus de 20 nœuds, parce que là, vous faites des foncées. Voilà, normalement, on devrait, si la météo tient, parce que ça change très rapidement aussi en Afrique du Sud, nous devrions arriver au moins jusqu'à Symonston, 869 000 d'un coup. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Attention à toi, bébé, que ça en panne pas là. Ah, on est plus important. C'est quoi? Allez, on remet le générateur de l'autre côté. Devant. Allez, c'est parti, nous sommes à la voile. 4 nœuds 4. Le vent doit se lever dans la matinée. Regardez. Emma Jacouille, elle a repris son mop. On est reparti. Youhou ! On va rentrer dans le fameux Agulhas. Agulhas. Carent. Le courant des aiguilles. À quoi ressemble le courant des aiguilles? Regardez cette belle zone rouge. Alors là, ça peut aller jusqu'à 5-6 nœuds de courant pour nous. Et la grande règle donc de l'Afrique du Sud, donc je le répète, la grande règle, vous voyez, c'est que le courant il descend comme ceci vers le sud-ouest. Il part du nord-est, il descend vers le sud-ouest. Si les plus grandes vagues scélérates sur la planète, ils disent que c'est sur l'Afrique du Sud et c'est à cause de ça en fait. Quand ça souffle sud-ouest, le courant est contre et ça lève des vagues monstrueuses. Monstrueuses. On a une petite vidéo qu'on a reçue, là je vous montrerai les cargos dans quel état ils sont, brisés en deux, tout ça. C'est une horreur.
Donc on part donc avec le portant et le courant des aiguilles est donc ici jusqu'à Port-Elisabeth, on va la voir. Et passé Port-Elisabeth, on sortira du courant des aiguilles. Et la seconde grande étape sera le cap de Bonne-Espérance, le fameux Good Hope, le fameux cap des tempêtes. Ça donne envie, hein? The Indian Ocean swells with thousands of miles fetch can reach over 100 feet as westerly winds fight against the Agalas current flowing down the coast from the east. Many a modern ship has been damaged by these huge waves. With a magnetic declination of nearly 28 degrees west in this area, many an old ship heading west on a compass bearing at night would be holding a true course of west-northwest and pile up on the shore. Veux-tu aller jusqu'au cap, Choupi, ou veux-tu t'arrêter avant? Et moi, je réponds, c'est la météo qui décidera. Voilà. La grande règle aussi sur l'Afrique du Sud, c'est bien checker la météo tant que vous pouvez, toutes les 24 heures. Et vous avez plusieurs ports sur l'Afrique du Sud au cas où, si le vent venait vraiment à se lever sud-ouest, vous avez Durban. Durban, Estondon, Port-Elisabeth, Mossel Bay, Knysna, Simonstone. Voilà, il y a plusieurs petites baies qui vous permettent de vous arrêter et de vous donner une roue de secours, comme je les appelle. Voilà, c'est une roue de secours. J'essaie de choper un chouchou, une clairounette. Regarde. Allez, attrapez, mangez. Allez, je vais le mettre. La jacuzzi s'est acheté un petit leurre, ça s'est fait plaisir. Oui. Hein, un petit leurre coquet. Ouais. C'était pas cher, c'était en promotion. Essayez, moi je veux celui-là. Alors voilà. Oui, moi j'ai pris celui-là. Il est violet, mais c'est le Colgate le meilleur. Non, hein? Mais moi je vais pêcher avec le mien. Bah vas-y. Ouais. La houle est longue et langoureuse. Et nous sommes sous GV complète et Jenneker. Et le vent est 3 quarts arrière. Nous allons nous éloigner un tout petit peu des côtes. On va se retrouver à 8000, 8-10000. Alors il y a des personnes d'Afrique du Sud, des Sudaf, qui nous ont dit que l'idéal c'était de rester dans la zone des 90 mètres pour ne pas rentrer dans les grosses vagues du courant des aiguilles. Ah ma jacouille, ça pue. Ah, ça pue. Ah, il y a un truc qui pue, je sais pas ce que c'est. Une infection. Ah, ça pue. Ah, oh, ça pue. Ça sent les chiottes, je sais pas quoi. C'est... Ça sent pas un peu comme les otaries? Ah non, pas otaries, non, 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 ça pue trop. Ah, mais ça doit être l'usine là, qui pue, c'est l'usine à papier. Ah, c'est une horreur. Ah, la jacouille était comme ça, sentait tous ses bras et tout. Vas-y, c'est quoi cette odeur? Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est une infection. Ah, c'est une infection, ça pue le soufre, je sais pas quoi là. Ah, je crois qu'il y a une usine de papier là. Ah, c'est une horreur. Ah, c'est vous pouvez pas sentir les bananes. Là, je vous envie, hein, de l'autre côté là. Oh putain. On a la baume qui chante. Comme c'était plein de charbon là-bas, à Richards Bay. Il y a la baume qui siffle. Allez, un peu trop du vaisselle. Ça, c'est vraiment le truc casse-noisette. Retrouver le bruit. En fait, c'était pas devant, c'était la poulie. Ça se retentit partout dans le bateau, ça passe par le mât. Et c'est elle, je sais pas ce qu'elle a couiné. Nous sommes à Sineux et le vent se lève comme prévu, il devait se lever vers 7h. Et 6h moins 10, quand je dis lever, voilà, c'est 10 nœuds devant. Mais là, ça va suffire, là, c'est très très bien, là, tout est parfait. Il faut savoir qu'en Afrique du Sud, la météo est une des meilleures météos au monde. On commence à voir les premiers kelps. Vous savez, ces longues algues là, comme ça, qui poussent dans le fond là. Une fois qu'elles se décrochent, elles remontent à la surface. C'est vrai, il y a pas mal de végétaux, mais je viens de voir des sachets plastiques également. Qu'est-ce que c'est? Il y a un truc dans l'eau, je sais pas ce que c'est. Aïe. Ça passe, hein, je sais pas ce que c'était. Il y a un truc qui est passé devant nous là, c'était sous l'eau. Un requin, je sais pas si c'était un grand blanc, mais un énorme requin à la surface. Pour que ça soit le grand blanc, alors il est tout marron, hein, il est un peu marron gris, marron, gris ouais. Et il reste en surface.
Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'il vient sur le bateau, quoi. Il est vraiment curieux, quoi. Moi, je vous dis qu'il vraiment, il serait pas bon de tomber, alors. Ouais, d'être naufragé ici, quoi. On va pas dormir dehors parce que il commence à faire froid. On a sorti les blousons, les bonnets et les gants. Ouais, je t'aide. Merci Poséidon, une belle dorade coryphène. C'est génial. Allez, on va la monter en filet. Ouais, on va découper la belle dorade coryphène. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé comment on faisait les filets. Alors moi, je vide pas les poissons. Je fais les filets directement dans la pièce. Alors voilà, on commence par couper au niveau des ouïes. Comme... Et puis, je démarre de la queue. Je me demande s'il n'a pas été attaqué par un requin. Ouais, on dit rien. Ah, il est un petit peu gros pour couper dans l'évier, là, quand ouais. même. Hein. D'habitude, voilà. c'est dehors. Hein. On démarre de la queue et on suit l'arête centrale. Des œufs. Ah ouais, c'est une petite femelle. Et voilà, et là je récupère le reste. Aucun gaspillage. Voilà. Un côté. Enlever les flancs. Hop. C'est là où il y a les arêtes. C'est là où il y a les arêtes. Voilà. Alors ça, normalement, vous pouvez pêcher avec. Si vous, vous faites au barbecue, vous gardez la peau. Mais si vous faites en salade tahitienne, voilà ce qu'il faut faire. Vous suivez l'arête centrale. Vous récupérez sans la peau. Et vous faites glisser avec une inclinaison le couteau. Voilà, magnifique. Et voilà, un beau petit sac à main pour madame. Au moins 8 repas. 8 repas. Mahi Mahi, dorade coryphène, dolphin fish. Yes. Eh mais on devient super bon en pêche, nous, hein. Je sais pas si vous arrivez. Est-ce que vous saviez qu'en Afrique du Sud, nous étions dans le royaume du Great White Shark, le grand requin blanc. Et ben on va le nourrir un petit peu. Cette heure et quart, le vent est passé plus nord. On vient de mettre l'AGV et le Jennaker en ciseaux. Il y a tellement de courant, le temps de changer de l'autre sens, le bateau il a fait 180 degrés donc. 180 degrés d'un seul coup, ils se font embarquer, ça fait déjà deux fois depuis ce matin. Hein. Il y a des tourbillons de courant qui est lancé. Nous sommes entre 6-7 nœuds, le vent s'est levé entre 11 et 13 nœuds. Plein portant, grand voile au max et Jennaker en ciseaux. Deuxième Mai Mai. Je me fais engueuler par la jacouille, dis donc. Oui, parce qu'il m'a pas réveillé pour le poisson. Voilà. Je voulais être là pour remonter voilà. le poisson. Et elle me dit, ouais, si c'est ça, si on voit les orques, parce que moi c'est mon rêve de voir les orques, hein, et ben si on voit les orques, je te réveillerai pas. Et là, t'as pas intérêt à faire ça, parce que là, je te jure, ça va mal. Mais enfin, dis, ouais. Piki Swear. Piki Swear. Piki Swear, on se réveille si on voit des si, trucs. Ouais, si on voit un orque, on voit. Un éléphant de mer, on voit. Hé, hey, réveille-toi, je vois un éléphant de mer. On est trop bien là. Ça souffle, hein, entre 20 et 25 nœuds, ouais. Mais il n'y a quasiment pas de houle. Mais la mer est blanche. Super agréable. La mer est blanche. Et je vais pas dire qu'elle est plate. Mais ça va quoi. Donc normalement si tout se vérifie, le courant des aiguilles c'est un tapis roulant. Voilà, on va battre des records. Black Lion va battre des records. Normalement de vitesse quand on lancera dans le courant. Mais je ne vais pas rentrer dans le plus fort non plus du courant. Hein. Je reste à l'extérieur, hein. Ça suffira. Il est énorme. Oh putain, il y a le requin encore, un requin là. Oh, il est énorme. Je sais pas ce que c'est comme espèce de requin. Il est où? Il a plongé?
Ah ouais. Il a suivi le leurre. Il était trop gros. Ça, ça fait le troisième. Mais c'est au moins 2 mètres, non? Ils sont à la surface, je sais pas si c'est des blancs. Hein. Petit filet de maï-maï au beurre avec ces petites carottes à la vache qui rit. À la vache qui rit. Voilà. On s'emmerde pas, hein? Bah ouais. On a fait du sud, le vent s'est levé. Il y a 20 nœuds maintenant. Jacou, il a encore un poisson. Eh, il est trop bien mon leurre, les bananes. Oula, c'est trop dur. Eh, attention. C'est super dur. C'est dangereux. Attends, je vais le faire alors. C'est encore un gros maï-maï, les bananes. Oh, il est gros celui-là, Choupi. Oui, il est gros. Oula, eh, le leurre mauve, il est top. Hein. Ouah, il a lâché les bananes, mais regardez, c'est celui-là. Le leurre. Il a perdu un œil. Oh, il a perdu un œil. C'est le leurre à maï-maï. Qu'est-ce qu'une zone de garde? Une zone de garde va servir à délimiter une certaine zone que nous allons définir nous, et l'alarme sonnera seulement dans cette zone. Donc on va aller dans anti-collision. Pour ma part, hein, c'est un Raymarine. Donc alarme zone de garde, activons, voilà, et on va régler la zone. Tous les bateaux qui vont passer dans la zone verte ici, hein, vous voyez cette petite zone verte, et ben une alarme se déclenchera si quelque chose rentre là dedans. Donc on l'a défini par plusieurs paramètres, paramètres extérieurs, intérieurs, largeur et la sensibilité de l'alarme. Alors nous, on va simplement utiliser l'extérieur, l'intérieur et la largeur. Donc je clique sur extérieur, 3000, c'est réglé sur 3000. Donc c'est la zone qui part du bateau jusqu'à devant le bateau. Donc je vais mettre 12000. 12000. Ça laissera le temps, parce qu'après nous avons fait une émission programmée pour que le radar se mette en veille toutes les 15 minutes. Voilà, donc ok, 12000. L'intérieur, c'est par rapport à la distance du bateau et ici, hein, la distance du bateau jusqu'au début de l'alarme. 2000, donc je pense que ça suffit 2000, parce qu'il va détecter un cargo, il va détecter. Ici, il n'y a pas de bateau de pêche. Quand il y a des bateaux de pêche, je réduis. Donc je vais essayer à 2000. Allez, 1,5 000. Vous voyez, donc cette zone-là, elle bouge, 1,5 000. Et la largeur, c'est mon faisceau. Donc là, j'ai fait un faisceau de 60 degrés, que je peux élargir. Donc je vais mettre 80 degrés. Donc tout bateau qui rentreront dans cette zone, voilà, ça sonnera. Donc je peux pas laisser le radar toute la nuit comme ça activé, sinon ça me descend dans les batteries. Alors ce que je fais, je vais faire une émission programmée. Paramétrage d'antenne. Programmation d'émission. Je vais définir un laps de temps pour que le radar puisse s'allumer et s'arrêter. Voilà. Donc transmission temporisée. Le nombre de balayages du radar. Donc je choisis 30 balayages, c'est-à-dire qu'il va faire 30 tours de radeau. Période de veille, je choisis tous les combien je veux que le radar se mette en route. Donc je vais mettre toutes les 15 minutes. Voilà. Vient de se mettre en veille, dans 900 secondes il se remettra en route, et comme ça, ça me permet de rien consommer. Il se mettra en route 4 fois dans une heure et il va tourner quelques secondes, donc ça consomme vraiment rien. Toutes les personnes qui disent oh, le radar c'est un four micro-ondes, c'est totalement faux quoi. Faut savoir l'utiliser à bon escient. Si vous faites le calcul et vous faites ce mode là, ça consomme pas grand chose. Hop, hop, hop. Il est bloqué. Putain, il s'est bloqué sous le kayak. Oh putain. Ah bébé. Oh, un truc à la con là. Putain, ça nous est jamais arrivé ça. Oh putain. Eh ben, ça nous était jamais arrivé. C'est pas ma faute, hein, Non, Choupi. C'est pas ta faute, hein. Mais voilà comment l'accident est vite arrivé. Et heureusement qu'il n'y avait plus trop de vent. Hein. Ah ouais, carrément. Vous voyez comme ça s'est soulevé. La frontière du courant des aiguilles.
Et là, on se fait défoncer un petit peu là. J'aime pas ça là. Mais j'aime pas ça du tout là. Bon, petit rhum d'Afrique du Sud. Ah, tu viens de rôter là? Oui. Qu'est-ce que t'as mangé en cachette là? J'ai fait un rôteur. Ouais, mais t'as mangé un truc, ça sent un charcuterie, un truc comme ça. Ça sent l'ail de midi. Ouais, c'est ça, ouais. Je t'embrasse pas aujourd'hui. On se fait un peu secouer là. Ouais, ça marche. On doit rentrer, je pense, dans le courant des aiguilles. Et le vent est tombé. Donc bah, on se fait un petit peu malmené. Et connaissez-vous la règle de 3? 3 maïmaï, 3 requins. On a vu. Il va me dire 3 rhum. Je le connais celui-là, non mais faut pas rêver quand même. Hein. Bon, il commence à faire froid. On commence à mettre les pulls. On descend de plus en plus, on est au 30e. 30e sud. Donc, premier jour, nous arrivons sur Durban, on a fait 73 000 en 70 000 en 12 heures. C'est bien. C'est bien, mais là on avance plus, on a 2,8. Je vais peut-être en VHV parce que ça tape de tous les côtés et ça me casse les noisettes. Bon, santé, hein, chin, et à demain si vous le voulez bien. Le vent est tombé, donc j'ai allumé notre demi-moteur. Il faut qu'on avance. On ne peut pas se permettre d'attendre que le vent se lève. Voilà, ça me fait chier d'allumer le moteur parce que je veux préserver au maximum. Mais voilà, il avance. Et on est à 5 nœuds 4. 5 nœuds 4. On va rentrer dans le courant des aiguilles. Donc je pense que ça va vraiment augmenter d'ici 2-3 heures. Voilà, la nuit de merde. Ouais, c'était pas terrible les loulous. Ah non, regardez. Le courant des aiguilles, il est pas pour nous. Hein. Ouais, je sais pas ce qui se passe là. Depuis qu'on est arrivé ici, là, on a fait 80 000. Cette nuit, on a fait 36 000. C'est une horreur. On a fait 70 000 en 12 heures et on va avoir fait 36 000 en. On allait à 0,9, 1 nœud. Ouais, 0,9, 1 nœud. Et on s'est fait enfermer dans une bulle courant-compte. Il y avait 2-3 nœuds de courant. On essayait d'en sortir toujours ce matin là, mais c'était putain, c'était une saloperie. Normalement on devrait y aller, je comprends pas là. Il y a un truc que je comprends pas. On devrait être dans le courant des aiguilles et je sais pas, on est enfermé dans une bulle, je sais pas ce qui se passe là et ça fout le moral à zéro quoi. Il fait pas beau. Il faut pas avoir le moral à zéro. Ça fout le moral à zéro. Ouais, oh, bah t'as dormi toute la nuit toi. Oh bah je me suis réveillée quand même. Oui, pour aller faire pipi, pour aller boire un coup. Donc putain, j'espère qu'on va en sortir rapidement parce que ça me saoule. Voilà, on est ici là, on devrait être dans le courant là. Là, au coin bleu. On a perdu vachement de temps, on devrait être par là, bordel. Et on est qu'ici, là, un nœud. Il va sûrement falloir s'arrêter, on pourra jamais partir à Capton d'un seul coup là. Je vais reprendre Météo sur Iridium et à mon avis c'est mort. J'espère que c'est en train de s'éloigner ça parce que c'est bien noir. Hein. Ça rappelle des souvenirs. Ça y est, 8h locales. Nous sommes dans le courant des aiguilles. Ça booste. Donc le courant des aiguilles, il commence sur la côte après Durban. Combien de milles après Durban ? 30 000 après Durban, à 10 000 de la côte. Et la mer, regardez comment elle est calme. Donc c'est pas désagréable, puisque le courant est dans le sens du vent et on glisse super bien. Alors j'ai mis deux riz dans la GV parce que le vent va se lever un petit peu tout à l'heure, donc j'ai prévu pour éviter de prendre un riz et tout le Jennaker demi. Voilà, et la mer reste assez calme, la houle arrive à 3/4 arrière. Voilà, tant que c'est comme ça, tout va bien. Coucou. Salut les bananes. Coucou. Coucou. Ils sont pas nets, c'est tout. Comment on fait nos quarts de nuit en fait sur Black Lion? Donc là on va vous expliquer comment on fait.
En fait, vous voyez, on est ici, dans notre lit, à l'intérieur, la table qui fait lit. Hop, on est là comme ça. Et en fait, il n'y a pas vraiment de règles. En général, voilà, si vraiment il y a une veille attentive, je dis à ma jacouille, il faut faire les quarts de nuit. Donc on fait 2h, 2h, 3h, 3h. Mais le plus souvent, c'est voilà, quand on est fatigué. Attendez, j'essuie. Je trouve que c'est dégueulasse. Voilà. Surtout quand on est fatigué, je demande à ma jacouille de prendre le relais pour 1h ou 2h. Par exemple, pour cette nuit, ben, j'étais ici, dans le carré. Et je me sers donc de... J'ai un œil sur mon iPad pour la navigation. Et ça, c'est le mini iPad. C'est un... comment on appelle ça? Un relais du traceur qui est dehors. Ça me permet d'avoir le radar et l'AIS. Et je peux tout commander d'ici. La seule chose que je ne peux pas commander avec, c'est le pilote, malheureusement. Ah, il y a le Geneker qui est en train de bouger. Il va falloir aller régler les voiles. Et nous avons également le téléphone. Je peux le faire aussi sur l'iPad, mais on met une minuterie au cas où, si on s'endort, toutes les heures ou les quarts d'heure, toutes les demi-heures, tout dépend des zones où nous sommes. Voilà. Voilà comment on fait nos quarts de nuit. On les fait comme ça. Allez, viens. Non, en gros, moi, je suis comme ça quand même. Toute la nuit, on a déjà plus. Choupi a une capacité de s'endormir d'un œil, en fait. Il fait ouais. Comme les dauphins. Comme les dauphins. Ouais, il y a la moitié de mon cerveau qui dort. Il y a une moitié qui reste éveillé. Ouais, il y en a qui vont bien dire, il y a le cerveau qui dort sur celui-là. Non. Et en fait, je suis comme ça. Et dès qu'il y a le moindre truc, le moindre bruit, je vais me réveiller. Je fais... voilà. Et la jacouille, elle est comme ça. Elle. Puis je bave. Ouais, et puis elle bave. Voilà. Et la jacouille vient de mettre sa canne il y a 2 minutes. Elle a pas mis la journée. Attention à tes doigts là, c'est lourd. Allez ma jacouille. Elle est magnifique. Elle est trop belle. Qui c'est qui va manger du Mai Mai? Tape dans les mains. On va manger du Mai Mai. La jacouille est en train de préparer les ingrédients. Et on va filmer ça avec les recettes de... De Jacouille la fripouille. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui sent le chaud là. Et il y a le fil du chargeur. Le chargeur de quai. Le chargeur de quai. Qui a commencé à chauffer et à brûler. Why? Aïe. Ah, c'est lui qui est... Il est bouillant celui-là. Qu'est-ce qu'on a fait? Il vient de rebrancher là. Ouais. Et du coup il chauffe. Pas le chargeur. C'est le fil. C'est pas le chargeur, je sais pas. C'est bizarre. L'humidité, c'est possible? Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Il chauffe plus. Alors là, allez, on fait appel à un électricien. Parce qu'en fait, tu viens de brancher le chargeur. Là, c'est vraiment sombre de chez son. Et je me suis dit, je vais donner une bonne charge aux batteries pour la nuit. Ouais. Et je trouvais que ça sentait l'eau chaude. Et du coup, là, celui-là, c'est ça qui chauffe, mais le chargeur par lui-même ne chauffe pas lui. Non, non, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était le chargeur. D'accord. Alors, est-ce qu'il aurait été mal serré? Est-ce qu'il était mal serré, que ça aurait bougé? Comme Jacouille a fait le ménage, elle a tiré dessus. Ah, voilà, ça va être ma faute. Ça y est, les bananes, c'est ma faute. Est-ce que c'est ça? Est-ce que quelqu'un dit que c'est Jacouille? Non, mais j'aurais. Ah, le truc qui est plus chaud, s'il faut, c'était mal serré. Et j'aurais mis une goutte d'eau dedans quand j'ai fait le ménage. Bon, bah, je peux faire ça. Ben, mes petits frères. Je suis en train de m'éloigner aussi parce que le vent est en train de tomber. Il n'y a plus que 7 nœuds de vent. Bon, on avance quand même à 7 nœuds. Mais normalement, il y a un peu plus de vent au large, mais il y a aussi un peu plus de courant. Mais comme le courant il est dans le sens du vent, et ben, il s'y a fait que des rimes en rang. Coucou! Avec Jacouille, la fripouille, on ne mange pas que des nouilles. Que des nouilles. Et du Mai Mai! Dis-moi. Alors, on va faire une sauce pour le Mai Mai pour ce soir. Oui. Alors, pour faire regardez cette petite beau. Sauce, on va le faire mariner, il faut le faire mariner que ça soit meilleur. On va mettre 2 cuillères à soupe de miel. Nouvelle recette, hein. On n'a jamais testé, hein. On vous dira ça.
2 cuillères à soupe d'huile de soja. Allez, dépêche-toi là, tu marches au ralenti là. Allez, go. 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique. Une gousse d'ail râpé. Un morceau de gingembre râpé. Et une cuillère à café d'huile d'olive. On remue tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu râles? C'est quoi ton problème? Je râle pas, hein. Et un peu de sucre en poudre. Ça, on va mettre ça sur notre poisson. On le fait bien tremper dedans. Et on va le laisser mariner jusqu'à tout à l'heure. C'est juste ça ta recette? Bah attends, après on le fait cuire, bah oui, mais il faut tout préparer. Après on va faire des petites patates. Des galettes de patates. Les demi sur un poisson, on prépare des patates. Elle n'a plus trop d'imagination, la jacouille. Mais oh non, mais je rêve. C'est quoi. Plus que c'était. Oh. Non. Attends, je mets ça au fond. En fait, tout ça pour vous dire que les marinades, si cette marinade est bonne, on vous le dira. La bonite, qui est un poisson qui est assez fort. Nous, on n'aime pas rejeter le poisson une fois qu'on l'a pêché. Surtout s'il est mort. Donc la bonite, c'est un poisson qui est assez fort. Et une petite astuce, vous faites une marinade de ce style ou d'autres marinades. Et ça attendrit et ça donne un meilleur goût à la bonite. Mais tu te rappelles, il y en a une qu'on avait pêchée, c'était immangeable. Elle était immangeable. On a tout essayé, mais vraiment immangeable. Bon, on va faire les petites galettes de patates. Ouais, mais ça, c'est pas besoin de filmer là. Mais si, c'est des galettes de patates. C'est des idées de recettes. Alors, pas patates. Possible ça. Dépêche-toi. Eh oh, mais t'es pressé ou quoi? Non, mais moi, faut que je surveille devant, il n'arrête pas de changer là. Et bien, surveille en même temps. Ok. Regardez comment c'est calme. On dirait pas qu'on est à 7 nœuds. Oh, c'est impressionnant ce courant. C'est impressionnant. On a les copains, ils sont devant, ils sont partis avant nous là. Ils ont quoi, 15 nœuds devant, ils sont à 12 nœuds. Ouais. Alors, j'ai râpé 5 patates. Ah, c'est joli, on dirait du chou. Oui, mais c'est des patates. J'ai râpé 5 patates, un oignon. Ouais. Dedans, on va rajouter 2 cuillères à café de farine. Ouais. Un œuf. Là, on va rajouter du sel. Je sais que tu as envie de dire. Non, je ne dirais pas. Du poivre. Du persil. Et de la muscade. Un peu de sucre en poudre. Non. Ok, je remue tout ça et après on fait les galettes ensemble. Je remue avec les doigts. Je dénonce, j'ai couillé en train de tricher. Je suis arrivé, je trouvais que ça sentait la nourriture. Elle fait non, attends, avant j'essaye, comme elle a jamais fait. Elle veut pas louper devant vous les bananes. Mais si, j'ai déjà loupé des trucs devant eux. Ouais. C'est pas grave. Hein. Mais là, t'essayes quand même. Mais j'essaye quand même. Bah, tant qu'on est là, vas-y, montre-nous. Ouais, bon, bien. Alors, t'as fait quoi? Donc, j'ai mis un petit filet d'huile d'olive au fond. Mais c'est pas à peine d'en mettre beaucoup parce que mes nouvelles poils les accrochent pas. Un petit filet, c'est un grand filet. Hein. Non, c'est un tout petit filet, mais regarde, ouais. Ça accroche pas. Et donc, on laisse cuire un côté. Et l'autre. C'est le truc qui a dégueulassé la gazine, hein. Je vois que ça gicle. Ben, je la nettoierai, hein, choupi. Hein. Alors. Je suis pas une con alors. Non, dis pas ça. J'aime pas quand tu dis ça. Je crois que ça va être pas mal. En fait, c'est des rostis. Ben, je sais pas. Je crois que c'est des rostis. Si, c'est bon. Du coup, voilà. Alors, ah ouais, c'est pas mal. Ça n'avait jamais fait ça, une nouveauté. J'ai jamais fait. C'est que je disais à mon choupi, je suis obligée de lui inventer des nouvelles recettes maintenant. Mais pose-le dans le truc, ça tombera pas, grosse banane. Voilà, l'intelligence du mal. Je disais à mon choupi, je suis obligée de lui inventer des recettes maintenant. Parce que sinon, vous allez manquer de recettes sur la chaîne. Ouais, ça va, il faut quoi faire. Bah ouais, mais... Alors, tu fais comment? Tu déposes comme ça. Voilà, vous prenez un petit peu, vous étalez. Je pense que ça va pas être mal. Je pense que ça va être gras, non? Non, pourquoi gras? J'ai rien mis de gras, j'ai mis juste un petit peu à filet. Tu vas te calmer tes petits nerfs, hein? Mais tu vas te calmer, choupi, hein? Et on avance bien, c'est super confortable. Hein. Ouais. Ah oui, c'est un truc de dingue. Hein. C'est vraiment un truc de dingue. Hein. Le courant des aiguilles en Afrique du Sud. C'est agréable. Hein. On en reparlera plus tard. Bon, les bananes, il faut cuire au moins 5 minutes de chaque face, hein, parce que quand même, c'est de la patate. Mais c'est bon, c'est très bon. Ça cuise un peu. Et en plus, j'ai un problème sur ma gazinière. On pense avoir pas mis le bon gaz. Ça chauffe pas. Ça chauffe plus. Là, je vais être très malheureuse si ma gazinière ne chauffe plus. On a fait remplir les bouteilles de gaz en Tanzanie. Et c'est une gazinière au butane ou au propane, je sais plus. Et on pense qu'en fait, ils ont mis
plein des autres gaz dans les bouteilles. Et comme on n'a pas les bons gicleurs, ben, ça ne gicle plus. Et ben, du coup, ça ne chauffe plus. Et alors, le four, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Là, il faut faire quelque chose, hein, Choupi. On ne peut pas rester comme ça. On va faire quelque chose, on va faire quelque chose. Okay. Avec Jacques, oui, la fribouille. On mange des rostis. Et rostis. Allez, je te fais goûter. C'est moyen bon. Attention, c'est chaud. Ah oui, je me brûle pas, chat. Voilà. C'est bon ou c'est pas bon? Mmh. C'est délicieux, mais c'est gras. C'est bien ce que je disais. Mais j'aime mieux. N'importe. Dis-le que c'est gras. Ben, ça se voit. Et regarde, ça suinte d'huile. Mais il n'y en a pas beaucoup d'huile. Hein. C'est gras. Mais les prochains, je ne mets pas d'huile. Elle est contente, moi, j'accouille. C'est une première. Ouais, c'est pas mal, hein. T'aimes bien? Ouais, c'est pas mal. Hein, j'ai fait chauffer bien la poêle. Mais tu viens juste de la mettre. Non, tu vas bien que tu chauffes. Ah oui. Alors. Oh, j'ai pas rajouté d'huile parce que j'en ai dans ma marinade. Je suis en train de faire un time-lapse avec la GoPro sur la poêle de. Sur la queue de la poêle. Sur la queue de la poêle. Oh là là. Oh là, ça peut oser. Hein. Pip, pip, pip. Mais ça va bientôt être prêt. Avec Jacques et la fripouille, on va manger du. Hey, ça fait beaucoup le maï-maï. Hein. Bah, c'est light le maï-maï. Tu vois, je sais. Une fois n'est pas coutume, on fait une petite exception. Je vais boire un rhum aujourd'hui. Ah, bah tiens. Et les bananes, les petites galettes là, c'est pas mal du tout. C'est un concept à faire en apéro. J'ai rajouté un petit peu de fromage dessus pour mon chupi pour qu'il goûte en apéro. C'est pas mal du tout. Ouais. À refaire. On est à 9 nœuds. 9 nœuds 6. 9 nœuds 6, c'est tranquille. Avec combien de temps? Là, il y a quoi? Ah, le vent, c'est. Ah, tiens, le vent vient de se lever un tout petit peu. 12 nœuds, mais normalement, c'est 7 minutes, mais ça va se lever. 12 nœuds, mais 9. 12 nœuds, 9. Mais c'est calme. Hein. Et la mer est calme. Donc, une journée, il n'a pas fait super beau aujourd'hui. Non, j'en ai même pas pensé. Il fait pas froid, j'étais surpris. Premier voyage, et on caillait. Oui, mais c'était en janvier. C'était en janvier. C'était en 2033. En 2013. 2013. C'était au mois de janvier. C'était 3 heures. Je me souviens. Ah non, du coup, janvier, donc c'était 2014. Elle continue. Il y a une petite erreur, Major Harbar. C'était pas un lundi. Quand? C'était un dimanche. Oui, c'est vrai, oui. Et d'une. Et c'était pas en novembre, puisque c'était en janvier. Voilà. Et le dénommé Henri ne s'appelait pas encore Charles. Non, mais moi je suis né en 14. Moi. Oui. Et on a pêché un maïmaï en deux minutes. Il est bien cela, un mauve. Elle l'a senti, Jacouille. Hein. La dernière fois, elle a vu un carton complet que de violet. Et elle s'est dit, ouh, celui-là doit marcher comme ça. Alors, j'ai dit à mon chupi, je veux celui-là, celui qui est dans le carton là, qu'il venait de recevoir. Mmh. Et j'ai eu du nez. Elle a eu du nez. Bon, est-ce qu'on va battre le record de Black Lion? Oui, sur 24 heures, c'est quasiment sûr. Voilà. S'il y a du vent, on va dépasser les 200 000 en 24 heures. Mais là, t'as vu les vagues comme elles sont hautes. Si on a le vent dans l'autre sens, ça doit être pas bon. Hein. Ah oui, oui. Bah là, les vagues, elles font comme oula, ça. Elle est énorme. Imaginez avec le vent de l'autre côté, et ben les cocos. Les cocos. Non, c'est les bananes, t'as déjà dit. Ah oui, c'est des cocos bananes. Bon, on vous souhaite une bonne nuit. Déjà? Bah ouais, il peut même pas vous faire de coucher de soleil, c'est tout. Bah oui, il n'y a pas de coucher de soleil. C'est nul. C'est nul. Excusez-moi. C'est dommage. Ouais. Tu peux montrer ta lune, Romain. C'est drôle. Tu l'y vas au ralenti, tu descends ton champ doucement. En time lapse. Je suis sûr que vous rigolez derrière votre écran. Vous êtes mort de rire. Il y en a une que ça fait rire. Bonjour les bananes, le ciel bleu est en train de revenir, ça fait du bien,
trois riz dans la GV, tout le phoque, et nous faisons 10 nœuds de moyenne. Nous sommes dans un courant de fou. Alors, nous sommes à 60 000 de d'East London. Le courant des aiguilles diminue après East London. Alors, aujourd'hui, votre mission, si vous le voulez bien, j'ai pris une météo ce matin. Nous sommes ici. Nous avons du 20 nœuds. Donc, c'est vachement bien parce que du coup, ça nous fait avancer très rapidement. Pourquoi très rapidement? Vous pourriez dire, ça va, t'es tranquille, qu'est-ce que t'as? Et on me dit, oh, je suis pas tranquille. Voilà, ça va tourner un tout petit peu vers minuit, 2h du matin. Après East London, le vent va tourner et va se renverser quelques heures. Donc, je vais essayer de dépasser ce point-là très rapidement ici. Après East London, ça va être à peu près 30 minutes, c'est faisable. Hein. On va arriver à East London vers midi. Je vous montre la carte des courants également. Là, ici, nous sommes dans le plus fort du courant des aiguilles. Vous voyez, dans le violet. C'est marqué 3,3 nœuds de courant. C'est pas violet, c'est rouge. Hello, de quoi elle se mêle? Déjà, on dit bonjour pour commencer. Bonjour les bananes. Voilà. Et le courant va diminuer un tout petit peu par la suite. Donc ça va être très bien. Bah ça bombarde. Alors dehors c'est bien sûr un peu agité là. Et ça va. C'est très supportable. C'est très supportable. Tout est bien rangé là où les longues. Il va y avoir des crocs de 3-4 mètres quand même. Ils sont à la quinte tranquillement. Le grand voile a cassé là. Putain, la GV elle aurait pu sortir complètement. Ouais. Je vais percer là. Une réparation de fortune. Je vais percer à travers le rail et je vais mettre le boulon entre avec un écrou. Le chariot la GV il aurait pu sortir du rail. Ça va, on partait à la cataracte. Je sais pas ce qui s'est passé là. Mais voilà, on a pas à son fortune. Et heureusement que ma jatte, il a du bon sujet. Allez, oui, dis aux bananes. Je lui ai dit, mais il faut percer. Non. Si, je t'ai dit, il faut percer. Je lui ai dit, va me chercher ça. Vous vous souvenez, une fois, j'avais dit, elle a un problème, c'est que dès qu'il y a un truc qui se passe, je lui donne un ordre. Quand c'est pas un ordre, c'est vas-y, va faire ça. Mais tu crois pas que... Alors ça souffle 20 nœuds, on est dans le courant des aiguilles, il pleut comme vache qui pisse, et là comme ça. Tu crois pas que... Je te l'ai déjà dit, ça suffit. Quand je te dis que tu fais un truc, tu le fais. Merde. Je suis. Ouais, mais mon idée était bien. Quelle idée qui marche là en haut, hein? C'est toi qui vas sortir sous la pluie dans 20 nœuds, dans le cap des tempêtes. On n'est pas au cap des tempêtes encore. Non, on est dans le courant des aiguilles. Oui. Je vais te mettre une aiguille dans l'an. Hein. Vous avez vu la perceuse? C'est pratique. C'est pratique. Et j'ai toujours dit à ma jacouille, il faut tout le temps absolument que la batterie soit chargée à 100%. Parce que imaginez, alors déjà c'est la merde là. Il nous arrive une couille. Et vous arrivez au moment de prendre la visseuse. Vous avez vu, tout s'est bien passé finalement pour la réparation. Vous prenez la perceuse. Et puis là, ah,
Ah tiens, il n'y a plus de batterie. Bah, il faut attendre que la batterie charge. Voilà. Donc ça. Ça, c'est parce que j'appuie, elle avait mis la batterie à recharge. Non, c'est moi qui ai mis la dernière fois. Chariot, là, 10 minutes après, regardez ce qui s'est passé. Vous voyez la poulie là, du chariot de Foc. Regardez la poulie, elle flotte. Et l'inox a encore cassé aussi là-bas, là, bordel de cul de canard là. Donc, et ben voilà, on ressort. Et je vais mettre un petit boulon. Allez, c'est parti, go. T'enfonces pas avec ton tournevis dans le cul. Allez. Bienvenue en Afrique du Sud, dans le quart des aiguilles, dans le courant des aiguilles. Bah non, ajoute pas, eh, c'est pas rien quand même. Allez, c'est là, regardez. Là, tu tires et moi je mets. Oui. Vas-y, vas-y, moi j'accouille. Yes. Yes. Les rois de la mer, c'est qui? C'est les Blackies. Trop fort, Choupi, on est trop fort. Ok, on rentre. Oh, 5 minutes même pas. Go. Allez, go, go, go. Go, go, go. Go, go, go. Ah, j'ai vu l'arrêt des fesses, la jacouille. Wow. Mission réussie. On est trop fort, Choupi. Blackie vient de battre son record de vitesse, 60 000 en 6h30 avec seulement un Foc et 3 Harry dans la GV sur le courant des aiguilles en Afrique du Sud. 60 000 en 6h30. Wow, 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 on se calme, Marie-Jo. Avec chaque la prébouille, on ne mange pas. Bon, les bananes. Oui. Vous savez, vous allez le voir, je vais le faire dans la même vidéo, mais la dernière fois, on a fait des petites paupiettes de poulet avec un œuf dedans que j'avais congelé. Donc ça, c'est bien en navigation parce que c'est déjà cuit, mais j'ai profité... C'est pré-cuit. Et j'ai profité de ça pour pouvoir faire cuire plein de légumes, comme ça on aura pour un deuxième repas. Oh là 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 là, ma jacouille, dis-moi, c'est le bordel dans ta cuisine. Oui, mais c'est parce comment que ça se fait, toi qui ranges toujours tout correctement parce... Comment ça se fait? Non, mais vas-y, réponds à la question. Ah oui, pourquoi t'attends? Allez, dépêche-toi. Mais c'est parce que les bananes m'ont demandé c'est quoi tes indispensables dans ta cuisine. Voilà. Donc j'ai un peu tout sorti, c'est un peu le bordel, mais je vais vous expliquer. On va déjà mettre les légumes à cuire. Le temps que tu expliques après. Le temps que j'explique. Donc, qu'est-ce qu'on met là-dedans? Des oignons. Mais là, tu vas faire quoi là? Mais on va faire cuire des petits légumes avec les paupiettes, mais on fera cuire les légumes en premier. Donc j'ai mis des oignons, de l'ail, des carottes. J'avais plein de patates parce qu'il y a des copains de bateau qui sont partis en France, ils nous ont laissé plein de patates, donc je n'ai pas encore des patates. Hein. Alors on met plein de petites patates dedans, comme ceci. On va remuer le tout. Alors, premier de l'indispensable de tes instruments. Alors, premier de main des indispensables, vous le savez, c'est ma cocotte. C'est ça, cocotte, minute. Vous savez que encore plus que son choupi. Alors là, bon, une fois, je l'ai surprise. Elle était enlacée dans la cocotte dans la chambre. J'ai dit ciel, mon mari. Et la cocotte, j'ai dit ciel, la choupi. Non, ma cocotte, c'est vraiment indispensable. Ah ouais, ouais. Quoi. Et celle-là, c'est ma belle-maman qui me l'a offert, la cocotte. Elle est trop bien, elle est vraiment trop bien. Ouais, c'est un Marc Seb. Hein. C'est un Marc Seb. Je vais rajouter des haricots verts, tout frais. On remue de nouveau. Je vais rajouter un petit peu d'eau là-dedans. Ça, c'est vraiment pratique, la cocotte. Vous mettez tout dedans. Je vais rajouter un petit cube Maggi, la moitié d'un, pas entier. Voilà. Parce que ça donne du goût. Moi, j'aime bien quand ça donne un peu de goût. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On ferme. Voilà, ferme-la. C'est quand même pas compliqué, hein, les loulous, là. Là, on met là-dessus. Et la cocotte, c'est l'indispensable. Ensuite. Alors ensuite, dans mes indispensables, qu'est-ce que j'ai? Une cuillère en bois. Plusieurs cuillères en bois. Ouais, cuillère en bois. Pinces, des pinces. Voilà, tout ça, là, bah, ça, vous savez. Oui, bah oui, oui, oui. Ça s'appelle des spatules, voilà, des trucs comme ça, quoi. Mon mini rouleau, moi j'aime bien mon mini rouleau. Ouais, bon, c'est moi, je sais pas pourquoi la voulait. C'est mon mini rouleau. Ouais, ouais. Alors,
Des petites, bon, tout ça, ça fait partie de la cuisine. J'ai un petit mixeur comme ça. Le mixeur Philips 400 watts. Alors, il est bien, ça fait super longtemps que je l'ai, ça doit faire au moins 15 ans. Il commence à fatiguer. Mais c'est bien pour hacher tout, le poisson, la viande, les légumes, c'est vraiment pratique. Quand mon choupi ne veut pas utiliser l'électricité, j'utilise celui-là. Manuellement. Alors, normalement, c'est la marque... Seb ça... Non. Philips c'est... Non, Tupperware. Mais moi j'ai un. Tupperware. Tu veux dire Tupperware? Moi j'ai une sous-marque. Oh, dis-le. Tupperware? Non. Tupperware. Arrête. Ben, moi j'ai une sous-marque, c'est vrai que ça casse vite. Hein. Ça suffit. Ouais. Ça fait on l'avait acheté 1,50€ celui-là. On l'avait acheté 1,50€. C'est pas non plus. Je t'en avais acheté 3, mais les 3 ils ont cassé. Mais les 3 cassent. Voilà. Mais c'est vrai que quand on. Bon, dépêche-toi, on va passer la vie sur un truc comme ça. Et... Ensuite, mon batteur électrique. Batteur électrique. Alors ça, c'est pareil. Ça fait au moins 15 ans que je l'ai. C'est super. Alors maintenant, Choupi, là, il m'a offert ça. Ça, c'est pour j'adore, les jus, le blender. Bah, évidemment, ça consomme. Alors, il faut avoir de la power. Hein. Regardez, max power, power. Mais 1200 watts. On a ce qu'il faut. 1200 celui-là. Ouais, 1200. 1200 watts, on a convertisseur de 2000. Mais c'est pareil, ça bouffe. Mais quand vous utilisez moins de 2 minutes. Donc, oui, ça bouffe rien. Quoi. Mais pour faire les soupes et tout, c'est super. Et alors, en évitant le truc en verre. Parce qu'en verre, ça casse. Parce que je t'en avais acheté un en verre et tu l'as cassé dès le début. Donc, du coup, on a trouvé un avec du plastique. C'est parfait. Ensuite, dans mes indispensables, donc moule à alors, t'aimes bien à gratin. T'aimes bien les plats en pierre, c'est ça? Comment ça s'appelle ça? Je sais pas. C'est en pierre? Ouais, en céramique? En céramique. Je sais pas comment c'est ça s'appelle quand c'est granité comme ça. Pas, c'est vraiment bien. Ouais. Donc ça, j'ai une petite casserole et une grosse. Celle-là, elle commence à être usée. C'est en céramique, hein, c'est en pierre? Comment ça s'appelle? Ouais, de la céramique, je sais pas. Ça fait deux fois que tu me demandes, je te dis que je sais pas. Pareil, j'ai la poêle à crêpes. C'est la céramique ou c'est la pierre? C'est, je sais pas, c'est quoi? Ok, la poêle à crêpes. Les nouvelles poêles que mon choupi m'a offert, une petite. Oh là là, mais grande. T'as de la chance, il est trop bon ton mari. Il est pas mal. Au lieu de t'offrir des fleurs, il t'offre des poêles. Enfin, je suis pas sûre que ce soit de la super qualité. Hein, parce que j'y fais attention, mais ça raye. Hein. Pas terrible, hein, choupi. Mon moule à tarte, j'en ai un à grand bord et un à petit bord. Et il va bientôt falloir que je te fasse un beau cadeau, hein, comment ça va pâtiller aussi. Il va falloir changer mon choupi. Mais un truc qu'il faut jamais faire, c'est découper dans plat. Évidemment, t'as fait quoi? T'as découpé dans plat. Okay. Ça. Ensuite, un moule à souffler. Un moule à souffler. Des... C'est pareil, il va falloir changer, Choupi. Ouais. Il va falloir faire de l'investissement. Merci, à cause de vous, ça va me coûter cher l'histoire, moi. Un moule à cake. Indispensable. Un moule à pain de mie. Pain de mie, indispensable. Bon, si vous n'avez pas le couvercle, vous mettez un truc par-dessus, ça le fait. Hein. Voilà. Mes moules à madeleine. Les moules à madeleine. Madeleine, vous savez bien. Ouais. Il faut le moule à madeleine, j'en ai plusieurs. Hein. Comment t'appelles ça là-bas? Ça là? Un plat en alu, celui-là ça fait pareil, ça fait la dernière fois que t'as dit un autre mot. Un quoi? Je sais pas. Ouais, des plats comme ça en inox. Du bon inox, hein. Celui-là c'est pareil, ça fait 15 ans que je l'ai. Une celle-là quand on ne veut pas faire le barbecue, c'est pas la huile, c'est pareil, ça fait longtemps que elle est lourde, mais c'est pareil. On dirait non, c'est pas de la céramique et commence à fatiguer aussi. Fatigue aussi. Donc c'est bien aussi pour faire griller le pain. On a j'en pas suis de gris, à 300 euros. On n'a pas de grille-pain évidemment. T'auras rien pour Noël. On n'a pas de grille-pain. Non, mais moi des trucs de cuisine, ça me va d'ailleurs. Ça tombe bien. Il va falloir changer la gazinière aussi. Mais non, je t'ai dit que c'est une espèce de gaz. Mais j'aimerais bien un four à chaleur tournante. Ouais, c'est ça. Il y a plein de choses que j'aimerais que je n'ai pas, toi. Un truc super bien, c'est ça. Je vous l'avais déjà montré. Ah oui, ça c'est génial. Alors pour le ça c'est du téflon. Nous on l'a vendu, c'est pas du téflon, je crois que c'est du polyester, c'est une sorte de téflon. C'est excellent, vous le mettez sur le barbecue, ça vous fait plein de chat, mais au four c'est super pour faire le pain, pour c'est du grill mat, ça s'appelle. Ça s'appelle du grill mat. G-R-I-2-L mat M-A-T. Voilà. Trouvez-le, vous le trouverez très facilement. Très très bien. Ce qui est indispensable, des super bons couteaux. Ouais, alors ça c'est suisse. Alors évidemment là c'est tu l'as cassé. Mais ça c'est pas nous ça hein. Ça c'était au Vanuatu oui, là. Quand vrai. On avait offert l'espadon, ils nous avaient cassé le couteau pour nous remercier. Et donc là c'est pareil, on les avait achetés sur Pirate, ça fait 15 ans qu'on les a les couteaux. Ouais. Après un truc que je voulais vous montrer, mes assiettes. Ah, les assiettes. Bon, elles sont un peu abîmées maintenant, mais mes assiettes. Regardez comme elles sont belles. Ah, celle-ci elles avant elles qu'on ait Blackie. J'avais commandé le service d'assiette parce que je voulais de la belle vaisselle. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est du plastique, gna. Oui, c'est du mélamine. C'est sûr, mais par contre, moi de toute manière, je casse tout. Bah oui. Donc il fallait de la vaisselle. Elles sont costauds, celles-là. Hein. Elles sont super costauds. Donc j'ai les petites assorties. Ouais, elles font fureur. J'ai les petites tasses assorties, comme ça.
C'est joli. Si vous voulez, on vous donnera le site pour les acheter. Si vous voulez le site, on vous donne le site. Et, pour 3 euros, on vous donne le site. Il y en a avec le dauphin, avec la raie. L'Armenta. Ouais, c'est super beau. Enfin, j'adore. Tout ça, évidemment, nous, on fait la publicité, on gagne rien dessus. Hein. C'est évidemment. Parce que voilà, on vous donne simplement des choses. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Ma balance. Parce que moi, j'ai pas terminé ma phrase, mais c'est pas grave. Ma balance, qui est importante. Ta balance, ah bah oui, balance. Hein ça, c'est super. Ça balance pas mal à Paris. les petits pots pour faire les yaourts. Ouais. Évidemment. Bah, on arrive au bout. Hein. On arrive au bout. J'ai aussi les petits pots pour faire des flambis. D'ailleurs, je vais vous faire la prochaine recette, c'est des flambis parce qu'on avait mal filmé la dernière fois. Donc les petits pots à flambis. Voilà, Choupi, je crois qu'on a fait le tour. Ah si, la super carte. Ah ouais, ouais. Alors, c'est sûr, on l'a fait. Il n'y a pas longtemps, il y a des personnes qui nous ont dit « Waouh, elle est magnifique, votre cafetière et tout. » Alors, quand on fait du café, qu'on offre du café à bord, vous savez, les cafetières italiennes, elles sont à peu près grandes comme ça. Donc, vous avez 4 personnes à bord, il faut le faire en 2 fois. Alors, on a cherché. On l'a payé cher. Hein. Super cher, super mais cher. Pareil, elle n'a pas bougé. Quoi. Elle c'est du bon inox. C'est du bon inox. Mais pour vous dire cher, nombreux, c'est bien. Combien on l'avait payé? 250 euros. Ouais. En Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, donc... La râpe, important aussi. Ouais. Ah, j'ai vu l'autre jour sur un bateau, elle avait une super râpe avec une petite coupelle, ça serait pas mal ça. Un autre cadeau, je pense. Ouais, ça sert pour ton anniversaire. Le thermo, parce qu'en fait, quand on fait le café, pour pas avoir à réchauffer à chaque fois, je le mets toujours dans le thermo. Et ça, c'est vraiment bien, évitant d'utiliser trop de gaz. La bouilloire, pareil, ça économise le gaz, c'est important aussi à bord. Ton frigo de 120 volts? Mon frigo. Ton verre de doseur. Mais le frigo de 120 volts avec congélateur. C'est indispensable. Voilà. Et je crois qu'on a fait le tour. Vous voyez, j'ai pas du super matos. Hein. Non, mais il te manque jamais rien, quoi. Voilà, c'est du matos simple. Ouais, je pense que ça peut encore faire 2 ans avec des trucs avant que je t'achète des. Eh oh, Choupi. Ouais, non, c'est bon du matos simple, le filet. Moi, j'aime bien le filet. Il y en a qui n'aiment pas trop. Moi, je trouve que c'est pratique pour. C'est joli sur un bateau, en voyage, je trouve. Voilà. Ça met de la couleur. Eh bien, je crois que les cocos, on a fait le tour. Hein. Non, c'est des bananes. Il faut arrêter maintenant avec les cocos parce que sinon, il faut tout remettre en question depuis 2 ans. Quoi. Oui, mais moi, ce sera les cocos followers chéris. Non. Alors, tu arrêtes avec les cocos. Ok. Les cocos, on les laisse pour quelqu'un d'autre. Après, plateau, planche à découper. Voilà. Planche à découper. Voilà. Bon, on est bon ? Eh bien, écoutez, on a fait le tour. On raccroche ? Allez, un bisou. Alors, ça y est, les bananes, les légumes sont cuits. Voilà, 10 minutes, hein, pas plus. Hein. Voilà, on va rajouter les petites paupiettes. On va les laisser un peu chauffer avec tout ça. Alors, autre alternative avec ces paupiettes, vous pouvez faire aussi revenir des lardons, des champignons, des petits oignons, mettre vos paupiettes dedans, remuer et quand c'est bien cuit, rajouter de la crème. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit des trucs bizarres. Tu racontes quoi? Hein? J'ai pas compris ce que tu racontes. Tu dis quoi? Je vais mettre ma paupiette dedans. Qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte n'importe quoi. Hein? Okay. Bon, ben voilà. Tu m'as fait perdre mon fil. C'est tout? Qu'est-ce que je racontais? Ben oui. 114 000 en 12 heures. Voilà. Deuxième record pour mon petit Black Lion. Banane, il fait beau, venez vous aérer. Enfin, waouh, depuis qu'on est parti, ce matin ça s'est élevé, puis ça s'est recouvert, la pluie comme vache qui pisse. Oh, ça fait du bien. Voilà, on laisse le mauvais temps derrière nous. Donc toujours trop aride dans la GV, le phoque, on est à 9-10 nœuds. Il y a une houle à peu près de 3 mètres de creux, mais ça va, c'est vraiment pas désagréable. Voilà. Et voilà. Paupiette sur son lit de légumes. Waouh. Et voilà. Paupiette sur son lit de légumes. Bon, je crois que c'est pas toi. Eh ouais, je commence à m'auto-critiquer. Bilan de la journée, un peu de casse, pas grand chose. Tout ce qui est accastillage. Alors je dis le nom, Ental. A-N-T-A-L. J'invente rien, hein. Ça fait que casser. L'arrêtoir et puis la poulie devant. Ouais, l'amortisseur du chariot de grand voile. Et la pluie devant, complètement cassée, l'inox quoi. Mais MacGyver Choupi a réparé. Bah, on n'a plutôt pas trop le choix. Et quoi d'autre? On a bombardé. Black Lion vient de battre 2 records dans la même journée. Sur 60 000 et... Euh, 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 sur euh,
6h et 12h. Et elle n'a jamais été aussi vite. Bon, c'est normal, hein, c'est le courant des aiguilles, mais on aurait pu faire encore beaucoup mieux que ça. Beaucoup mieux parce que j'ai vachement réduit. J'avais pris 3 riz sur la GV. Il n'y avait que le phoque. Et on a presque tenu 10 nœuds de moyenne quand même. Bon, on triche un peu, on est dans le courant des aiguilles. Après, ça ne sert à rien de le forcer. On n'a pas besoin d'aller à 15 nœuds. Et là ce soir on a remis un peu de Genaker, bah voilà, on est passé 10 nœuds, voilà, on est entre 10 et 11 nœuds. C'est super confortable. Voilà, parce que j'avance, parce que je voulais passer absolument avant ce petit truc qui va tourner là. Et je voulais pas me retrouver avec le vent de face. C'est vraiment la règle encore à respecter dans le courant des aiguilles, jamais prendre le vent de face. Et aujourd'hui on n'a pas mis les cannes, parce qu'on avait déjà le congélateur. On a déjà du poisson, donc voilà. On pêchera peut-être avant d'arriver. Avant d'arriver on pêchera, on mettra au frigo et peut-être au congélateur on aura mangé d'ici là. Et puis quoi d'autre encore? On a vu des dauphins. Ouais, à ce temps. Trois fois. Ouais, je vais manger un guacamole. Je bon guacamole. Et t'as ton petit verre de rhum. J'ai mon petit verre de rhum. Voilà. Ils vont dire bon. Mais ils boivent tout le temps, lui. Hein. Tout le temps. C'est que le soir, attention. C'est que le soir, les bonnes. Le soir, quand je passe l'équateur. Voilà. Et quand je passe dans l'océan Atlantique, je bois un coup. Et quand je passe le Cap de Bonne-Espérance aussi, je prends un petit coup. Hein. Et sinon, il y a d'autres moments? Ouais, mais... voilà quoi. Voilà. Bon allez, on vous embrasse. Bisous les bananes. Bisous, à demain. À demain les bananes. Il n'y a pas de coucher de soleil encore. Ah ouais, aussi, oui. Je crois que c'est la première fois. Hein. Ouais. Depuis qu'on est parti avec vous, depuis à Thaïlande, je vous ai toujours filmé le coucher de soleil le soir. Mais là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Que dalle. Peau de balle. C'est tout gris. Mais quand il y a du ciel bleu, c'est pas très long. Non. On va encore avoir la pluie ce soir. Allez, bisous. Pourquoi tu n'es pas au Genaker? Parce que ça soufflait 14 nœuds. Et depuis le début, qu'on est dans le courant des aiguilles, oui. J'ai 3 riz dans la GV parce que je ne veux pas forcer sur Black Lion et on avançait quand même entre 8 et 10 nœuds. Et là, maintenant, j'ai mis l'autre Genaker. Et voilà, on est entre 10 et 11, 12 de temps en temps. C'est pas royal ça, ça fonctionne pas. Et c'est calme, je vous dis pas comment. Ouais, dans le bateau, cool. Dehors, c'est un peu la vibe, mais à l'intérieur de Black Lion, c'est le top. Du tout ce que c'est. Alors j'ai des cibles fixes AIS. C'est une nouveauté, je n'avais jamais vu ça. Normalement c'est sur terre, ça désigne des tours de contrôle en général, les grands ports. Là c'est en pleine mer et c'est marqué position allumée. Alors je ne sais pas ce que c'est. Je pensais que c'était un bateau de pêche qui avait perdu les premières, mais a priori non, alors c'est pareil, je ne sais pas ce que c'est non plus. Là. C'est la journée de je ne sais pas ce que c'est. Il n'y a pas de bateau de pêche dans les environs. Hein. Ici. Là, ici, sur le petit point bleu. Ok. Il fallait impérativement dépasser East London et arriver à ce niveau-là avant 22h. Car à 22h, voilà ce qui se passe. Ça aurait tourné. Ça aurait fait comme une petite dépression juste là et on se serait payé le vent de face. Et normalement, si la météo est bonne, eh ben, on y échappe, mais sur le fil du rasoir, comme un poil de cul, sur une tartine de beurre. Bon, il y en a partout. Et je pense que ce sont des nasses. Ça peut être des nasses mises en profondeur. Ah, bonjour la merde, vous prenez ça en pleine nuit, vous êtes contente. Notari.
Il fait beau, il fait froid, on va pas travailler. Il fait beau, hein? Il fait beau, ma jacouille. Oui, il fait beau, hein? Ouais. Plein de bonnes nouvelles aujourd'hui au lever de Choupi ce matin, au lever du soleil, au lever du roi du soleil. Tu me lances un peu de fort, hein, ça me fait pas de mal. Qu'est-ce que j'ai vu? Donc le soleil se levait en même temps que roi Choupi. Une otarie, il y avait la première otarie dans l'eau. C'était pas moi. C'était pas Mayali, mais tout à l'heure vous mimez comment fait otarie dans l'eau quand elle dort. Par contre, il y a des bouées oranges partout parsemées. Et comme on a mis dans 100 mètres d'eau, je pense que... Pourquoi tu me filmes comme ça? Ouais, donc je reprends parce que ma Jaco a dit « Pourquoi tu me filmes ?»« Ah, tu détestes, on est bien chef toi là bah, !» C'est pas vrai. « Wow, je suis en train de parler aux bananas !» Mais c'est pas vrai. Pas possible ça. Bon, je disais, c'est parsemé de bouées oranges. Alors lorsque, comme nous naviguons dans 100 mètres d'eau, je pense que... c'est des nasses, ça doit être des nasses, mais il y en a partout. J'ai vu le souffle d'une baleine, et également, ben, on a aussi notre mission. Ah, ouais, c'est bon, elle ne veut pas être filmée, mais par contre, elle va être entendue. Hein. souffle d'une baleine, et nous sommes sortis du courant des aiguilles cette nuit, donc nous avons repris une vitesse ben, normale, entre 5 et 6 nœuds. Nous sommes sous Jennaker de Ridon AGV, je mettrai plus de grand voile tout à l'heure. Et nous avons évité également le vent de face, tellement qu'on a bien avancé. On a fait 200 000 en 24 heures. 200 000 en 24 heures. Et il commence par contre à faire froid. Nous avançons à 3 de 8. 3 de 8, il y a 12 nœuds de vent. C'est pas terrible. Putain, franchement, les cartes des courants. Tu fais quoi là? Non, mais à chaque fois, tu me déconnectes le truc. Je me reconnecterai. Non, voilà. Vous allez assister à cette engueulade là. Non mais... Je te le remets, il y a un message. Tout à l'heure, ça m'a tout... Il a fallu que je réussisse tout. Ok, je vais le remettre. Ouais. On va mettre le spi. Du beurre, banane. Le banane, on va mettre le spi. Attention, on s'accroche. On est encerclé par deux bateaux de pêche. Alors je viens de regarder sur l'AIS, ce sont trois bateaux de pêche qui sont en flotte. Ils partent en masse. Aller chercher sûrement poisson dans les eaux polaires. Ah, boule d'otari. J'ai cru que c'était les orques, moi. Je réfléchis. Hé, nos premières otaries. On va commencer à en voir plein là. Elles font coucou. Elles doivent se diriger. Hein? Ouais, je pense qu'elles se servent de voile. Putain, j'ai cru que c'était les orques. Aujourd'hui, on a comaté un petit peu quand même. Ouais, on est sorti du courant. On est rentré un peu dans le courant, on est ressorti du courant et là ça s'est équilibré. On est à 6-7. Ouais, on est à peu près, voilà, il n'y a pas trop de courant. C'est, voilà, c'est normal, une condition normale. Normal. Ok. Alors aujourd'hui on vous parle de l'AIS. Oui, l'AIS. C'est génial. Ça, émetteur, c'est top, c'est récepteur, top. On vous reparle de l'AIS. Si en fait si on vous en parle, c'est parce qu'on est un petit peu inquiet quand même. Oui, parce que nos pitous, ils s'en vont bientôt. Ils vont traverser l'océan Indien, ils n'ont pas le radar. Ils n'ont pas de radar, ils n'ont pas d'AIS. Après, il y a plein de bateaux qui l'ont fait. Ouais, ils n'ont pas d'AIS, mais pour vous dire que c'est génial, nous on a fait le premier tour du monde sans l'AIS. Mais on avait le radar. Et là, on l'a, mais on ne regrette pas du tout. Vraiment, on peut dire qu'on dort presque sur les yeux fermés, sur les deux oreilles. On dort quoi? Sur les deux yeux. On ferme les yeux quand on dort. Regardez, je vous montre. Parce que quand vous n'avez pas d'AIS et que vous n'avez pas de radar, Choupette aussi pour toi et pour Jonathan, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bateaux autour de nous. Alors imaginez la nuit que vous passez, en pleine nuit. Vous avez 7 bateaux
vous êtes en quart de veille, veille de nuit, et ben vous posez la question, savoir d'où ils arrivent, d'où ils viennent. Alors que là, eux ils nous voient aussi, donc hop, on clique dessus. Plus près, le CPA, c'est ça qui est important en fait sur l'AIS, non seulement de l'avoir en visu sur la vidéo, voilà, il va passer à 1,61 000 dans 10 minutes. Mais c'est une aide à la navigation qui est, c'est vraiment indispensable. C'est vraiment... Quoi. Mais vraiment, vraiment. Quoi. Là, je ne me verrais pas. Avant, comment j'en étais avant ? J'aurais dit, oh putain, j'ai des lumières partout. Je me serais dit, voilà, qu'est-ce que c'est ? C'est des pêcheurs, c'est des cargos. Parce que là, en plus, que c'est, on sait que ce sont des cargos. Donc, on est tranquille. Quoi. D'autant que la plupart des pays, maintenant, vont le demander. Et ça va devenir une obligation. Ça va devenir une obligation partout, en fait. Voilà. Et en plus, ça met quand c'est des pêcheurs, maintenant quasiment c'est tout vrai le monde. C'est vraiment super. À l'AIS, il n'y a que dans les petits pays voilà, comme en Afrique, en Indonésie, ils n'ont pas encore trop de l'AIS. Mais voilà, là, on a, ça rend service. Donc voilà, les petits pitous, si vous n'êtes pas parti avant qu'on arrive à Capton, réfléchissez bien. Oui. Faites un petit menton, ça a l'air. Au 34e latitude. Il fait froid. On est plus très loin des 40e, vous vous rendez compte quand même. On n'est pas loin des 40e hurlant, 40e rugissant. Regardez comment on est habillé. Pantalon. Attends, on va dehors. Attends, prends ton bonnet. Mais oui, mais attends. Ah. Regardez comment on est habillé. Il a trouvé les chaussettes. On a encore fait. On a pas les chaussettes. Ah. Avec mon petit bonnet. On a essayé de se réchauffer avec le rap, mais ça suffit pas. On repousse tout. Ouais. Commandant Fusto, le petit commence à cailler là. Ce matin, on a vu les Alors, ah oui, j'ai pas dit. C'est quoi l'AIS exactement? C'est un émetteur-récepteur. Soit vous pouvez seulement recevoir, c'est dommage, il vaut mieux émettre et recevoir. Vous savez la position du bateau, la vitesse, sa direction et si vous êtes en route de collision. C'est pour dire, encore, on ramène une couche encore. Voilà, là, on n'est pas beau là. On fait du fandom avec, hein. Je parle pour toi, hein. Oh, bah toi aussi. Et ce soir, il y avait un coucher de soleil, on va vous le filmer, hein. Ah bah oui. Ouais, bah je suis, mon rhum il est là-bas. Vous êtes en train de vous dire, il a pas son rhum, il est là-bas. Hop, on y va. Tiens, voilà. Talek, c'est incompréhensible. Mais oui, on est arrivé à voir les pitous. On est super loin des côtes. Et là on vient juste, ah ben ça y est, ça remarche, j'arrive à voir vos messages là. Ouais, on peut pas répondre à tout le monde de suite, mais, non, on a eu en vidéo Jonathan, on a nos amis qui sont arrivés à Knasna, et on est super loin des côtes, on a publié sur Facebook, ça rien y comprend, la dernière fois on était à 8000, ça captait pas. Bah ouais. C'est un truc de fou, c'est Internet, c'est un truc de fou. Bah là je profite parce que ça marche. J'accouille sur Internet. On essaye de vous envoyer une vidéo en direct. Au large de l'Afrique du Sud. Mais je suis pas sûr que ça marche. Non, je crois pas. Hein. La couille. Allez, on part. On est en direct. Yeah, yeah. Ça marche. On est au large. On est au large de l'Afrique du Sud. Ouais. C'est un truc de dingue. On est vachement loin. On a internet. On sait pas pourquoi. Ouais, c'est fou ça. Ouais. Et bah, c'est gratuit. Bien, tout va bien. Tout va bien. Coucher de soleil derrière nous. Donc on est à 300 000 du cap de Bonne-Espérance. On a vu des eaux fermées. Ouais, je l'ai vu avec un phoque. Ouais, ce matin, il y a Otari, souffle de baleine. Ça a tracé sur le courant des aiguilles. On profite, on avance, hein. On avance. Donc on est à encore 300 000 et on passera le cap de Bonne-Espérance. The Cape of the Good Hope, c'est de l'anglais, yes. Vous pouvez pas, je sais pas si vous en comptez là. Ok. Eh, donc, y en a qui nous écrivent. Mais c'est un truc de rêve, on est super loin, c'est un truc de fou. Hein. Eh, coucou. Allez, on fait un petit tour d'horizon, vous êtes en Afrique du Sud. Yeah. Regardez. Ah, Afrique du Sud, soleil, il est trop beau. Black Lion, deux riz dans la GV. Attends, deux riz dans la GV, hop. Avec le phoque, voilà en ciseaux. Hein, on va à 7 nœuds. Et le coucher de soleil. Le soleil est en train de se coucher sur l'Afrique du Sud. Mais c'est un truc de dingue. Ah non, mais ça marche bien. Ça marche super message. Bien. On peut pas vous répondre. Moi, dès qu'on a mis d'énergie, on commence à plus avoir de batterie. Ah là là. C'est un truc de dingue. Ah, on est content. Ah, ça fait bizarre. Ça fait 3 jours qu'on n'a pas l'internet. On est super content de vous avoir. Ouais, vas-y, continue. Bah ouais, vous nous manquez les bananes. Et Choupil est en train de faire une super vidéo pour vous. Hein. Ah bon?
paillettes. Bon, on ne sait pas si ça va couper bientôt. C'est incroyable. C'est dingue. Et on a pêché les bananes, on a pêché 3 maï-maï. Trois maïmaï à mes deux doigts. Donc, ben, une fois n'est pas coutume, on va profiter du coucher de soleil ensemble. Ah bah ouais, c'est hein cool ça. Regarde, c'est pas mal. Hein. Putain, c'est je trop suis pas bien. Fatigué du bras là. Attends, je tiens. Non, tu vas faire pointer. Bon. J'arrive pas à tout lire, mais ils écrivent tous. Hein. Ouais, tu crois qu'on peut relire les messages? Non, je sais pas. On pourra pas répondre parce que ça risque de couper à tout moment. Je sais pas. Il y a une onde passante. Je sais pas pourquoi. Elle est en train de passer. Elle doit passer. Arrête, tu vois une pluie après. Voilà. Ok. Bon, on prend pas le petit rhum avec moi, on l'a déjà pris du coup. Ah ouais, j'en ai déjà pris deux, ça serait abusé d'en prendre un troisième. Mais nous aussi, on pense à vous, ils disent on pense à nous. Mais nous aussi. Ouais, nous aussi. Et il y a des. Là, il y a plein de food au pied bleu. Là. Je sais pas si vous voyez. Là-bas, là, on est. Vous voyez pas. Là, il y en a. Il y a les fous au pied bleu là, qui volent depuis ce matin, les otaries qui passent. Ouais, ils commencent à faire froid, on a mis le bonnet de cousteau. Ouais, puis nous, on a l'air fin, on a le bonnet, puis on est pieds nus quoi. Et on est même pas de chaussettes. Ah, c'est bon, c'est le baromètre à baromètre à quoi baromètre à l'un autre content de l'autre bout du monde. Bah ouais, c'est dingue. Bon, on raccroche là. Bah on va raccrocher on quand raccroche. Même. Voilà. Bon, au coucher de soleil. Allez, un gros plan sur la jacouille. Sur la jacouille au coucher de soleil. Regardez, allez, on fait profiter de l'irrigation. On pense à vous. Quand même. Il y a 15 nœuds devant. C'est trop bien. Voilà en ciseaux. C'est vous qui voyez quelque chose à vous là. Ouais. Bien. Bah, il y a photo Tari, il y a un gros phoque devant moi, un éléphant de mer. Profitez du paysage. Vous avez vu, c'est trop beau, hein. Et ça fait 3 soirs, on n'a pas de coucher de soleil. Non, c'est la première fois que 3 soirs, il y a eu un sale temps là. Ouais. Et encore, on a passé le courant des aiguilles. Trop bien. Blacky, il allait à combien? Hein? Blacky, il allait à combien? On a fait 13 nœuds, 15 nœuds. Mais on a réduit, on a navigué avec 3 haris. Il y a un bout de phoque. Pourquoi? Parce qu'il faut rester prudent, les bananes. Bah allez, on vous fait des gros gros bisous. On vous fait des gros bisous. Non, ne raccrochez pas, ils disent. Ouais, mais attends, je fatigue du bon. Attends, laisse-moi tenir. Laisse-moi tenir, voilà. Avec un regard. Les... Vas-y, parle-leur, parle-leur. Non, mais ça risque de couper, tu vas faire tomber le téléphone. Non, non, ça tient. Je te connais. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Nous aussi, on vous aime, les bananes. Bah, on vous aime. On vous fait des gros bisous parce que ça risque de couper à tout moment. Voilà. Du coucher de soleil en direct au large de Kleinstadt, 300 000 de Cap de Bonne Espérance. Comment c'est trop la classe? Ouais, c'est trop la classe. Ah, oh, c'est trop la classe. Hop là, vous la voyez, vous voyez. Allez, gros bisous tout le monde. Allez, gros bisous les bananes. On va voir ce que ça donne sur le sur internet. Hein, pour répondre. Bisous. Allez, gros bisous. Ciao on tout le monde. On pense pas à vous. Bye. Bisous les bananes. Bisous. Bye. Non, terminé, c'est là. Ah, ouais. T'as froid. Allez, viens, Pépère. Viens, Pépère. Un écureuil, un oiseau. J'espère que tu vas pas mourir celui-ci, mais je suis pas bon espoir. Hein. Quand ils viennent comme ça sur Black Lion, ouais. Hein, c'est pour partir doucement. Mais il est bien, il est au chaud. Ah, voilà. Il vient de se réchauffer, il est là. On il est mieux que nous. Tout à l'heure. Tout à l'heure, il avait froid, il tremblait dehors. Ouais, il tremblait, hein. Un petit pépère. On va le garder à l'abri, là, il sera bien. Il va rester ici. Il faut dire qu'il fait un temps de chien. Cette nuit, il y a eu plein de caravos. Heureusement qu'on a l'AIS. Hier, on vous a parlé de l'AIS. Ça a sonné toute la nuit. On est sur la route des caravos. Il y a eu au moins une trentaine, 30-40. Oh oui, oui, ça paraît. 30-40 KO. Il est là. Le blouson, il est venu dessus. Et il s'est couché sur le blouson. Il est bien là. J'attends un point météo. Demain, ça tourne. 30 nœuds de face. Donc, direction Mossel Bay. Voilà, notre route s'arrête pour le moment.
je suis obligé de me dérouter, partir à Mossol Bay. Pas le choix. Hors de question de se prendre 35 nœuds, ça va être du 40 nœuds de face. C'est ici. Mossol Bay. Combien de milles ? Et ce soir ? 60 000. On peut y être ce soir. Eh ben celui-ci ne passe pas très loin. C'est impressionnant comment le temps a changé très rapidement. C'est incroyable. Regardez demain ce qui est prévu demain à 4h30. Là, 30 nœuds sur la pointe, c'est du 40, là on se fait démolir. Allez, on avait dit c'est la météo qui décidait, donc voilà, c'est la météo qui a choisi. Je pensais pas que ça allait changer aussi rapidement, quoi. C'était pas prévu ça. C'est dire, il est trop mignon. Allez, fais la vaisselle. Fais la vaisselle, papa et maman. Grâce à lui, là, l'iridium, il va nous sauver, à mon avis, de la casse ou pas mal de choses, parce que vraiment, un fort vent de face va arriver en Afrique du Sud. C'était la règle que je m'étais donnée pour une météo tous les jours, parce que la météo peut être très changeante en Afrique du Sud. Et ce matin, en l'apprenant, ça m'a surpris sur le moment. Je ne comprenais pas, parce qu'ils avaient dit qu'il y avait du vent établi pour 2-3 jours portant. Et ce matin, quand j'ai regardé, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ? 30-35 nœuds de face en Afrique du Sud, non loin du Cap de Bonne-Espérance. Donc, on bifurque à tribord, 60 000 à faire. Le seul truc, c'est que je m'étais vachement éloigné des côtes, parce qu'il n'y a pas de vent près des côtes. Donc, à 8 heures, il y avait 60 000 à faire. Normalement, on y est comme avant la nuit. Là, on avance bien. Mais plus on va s'approcher des côtes et le vent va baisser. Et dans le pire des cas, on arrivera avant la nuit, je mettrai le moteur si il continue à bien marcher. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire pour le moment. À vous, Cognac J. À vous les studios. À vous les studios. Il y a 8 ans, c'était déjà arrêté à Mossol Bay. Et on est en train de revoir les photos pour se remémorer. Et il y a plein d'otaries là-bas. Ah voilà, pirates et tout. On était au mouillage et tout, ça va être super. Et il y a plein d'otaries. Il y a une île aux otaries, j'en s'en souviens maintenant. Et du coup, les bananes. Hein, on va y voir les otaries, ça vous dit bien, les otaries? Mais vachement bien, il fait froid, on est dedans. Regardez, on s'est mis le lit là, et là j'accouille sur l'ordinateur avec la petite couette. Et moi je me lis un petit bouquin sur Tabarly, un vrai petit régal. Merci Nathalie et Eric de nous avoir passé ce bouquin. Et puis à midi, comme il fait froid, on va se faire un petit gratin au marin. Vous avez la recette là. Un petit gratin au marin. Allez, je vous fais un petit peu de lecture. Il sait fabriquer un sang, quiconque un toit. Non, quiconque un temps soit peu viril, paierait cher pour avoir le même. Comment ça se fait que ça fait ça? Et Jaco, il vient de faire une connerie là. Ah mais attends, d'habitude je mets toujours la cocotte dehors, ouais, sur c'est le ça, tapis, ouais, pour faire. Elle a sorti la cocotte dehors. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Ça a cramé le caoutchouc. Et il y en a plein dessous la cocotte minute. Bah ouais. Et elle me dit, mais comment ça se fait que c'est possible? Je sais pas, tu mets du chaud sur du caoutchouc, peut-être que. Ah, ça va, je... Hein? Et elle fait une autre fois, ça fait. Oh, je comprends pas ce qui s'est passé, c'est pas moi. Il faut la terre ferme, il doit être bien là. C'est mon petit citronnier. Il est en train de manger des trucs dans la terre, je sais pas quoi. Il boit l'eau qu'il y a sur les feuilles. Il va survivre, le pépère, il va survivre. Allez, il va embarquer sur le petit bateau. En voiture, Moussaillon. On a remis de l'eau sur le citronnier. Il se réhydrate. T'as bien. Et là, Jaco, il a été chercher, il y avait des moucherons dans la salle de bain, il mange. Oh, trop bien, je vais la chercher là. C'est pour toi l'eau. Il se régale, hein. Et il vient de suite maintenant. Ouais. Hein. Je crois qu'il est vachement bien, il est en train de s'endormir là. Qu'est-ce que c'est? C'est un truc de dingue, hein. Troisième oiseau, on n'a jamais eu ça. Hein. C'est incroyable. Mais celui-ci, on va le sauver là. Celui-là, hein. Ah mais c'est grâce aux bananas, il nous avait dit qu'il faut des insectes. Insectes. On a trouvé des petits moucherons. Le citronnier lui a servi de désert. Ouais. Il avait de l'eau sur les feuilles, il a pu se réhydrater. Ah là, il est sauvé là, je crois. Il est où là? Il est là. Comme les autres, hein. Il est dernier, avant-dernier, dernier, une horloge de nullité. Il se voit amiral, mais il est dernier, le certificat d'études n'en voudrait pas.
Tu vas travailler, oui, les coups de pied au cul, on s'en fout quand on est dernier. Du moment que les petits bateaux vont sur l'eau, que la mer monte, que l'horizon frémit dans les yeux des filles. Eh, ça c'est moi tout craché, ça. Ça c'est moi tout craché. C'est drôle, hein. Moi j'étais nul à l'école, hein. J'ai fait trois fois la seconde. Et au bout de la troisième fois, pour dire que j'étais nul, je dis ouais, j'ai peut-être arrêté là. Et c'est là que j'ai arrêté l'école. Mais attends, regardez, je suis puni, je me retrouve avec la jacouille. Bah moi non plus, j'ai pas le badge, j'ai pas le brevet, j'ai rien. Oh l'aubaine. Oh, j'ai trouvé ça. Un insecte énorme sur le pont là, il est énorme. Oh purée, il est trop content. Ah, dans 21 minutes nous arriverons à Mossel Bay. On est trois quarts arrière. On n'a pas vraiment la direction dessus. On va mettre les voiles en ciseaux pour avoir la direction directement de Mossel Bay. Et on va arriver pile poil normalement si le vent continue comme ça. On n'arrive plus à trouver de mûcherons. Ouais, on a donné du beurre. Je me souviens de ma mamie qui mettait ça dans son jardin pour les moineaux. Il a mangé. Bah ouais, ça va lui tenir l'estomac. Parce que vous saviez que Penwick voulait dire mésange à tête noire. Donc là, c'est pas de mésange à tête noire, mais les deux qu'on avait eu précédemment, là, qui sont morts à bord, ça en était pas loin, je pense. Voilà, on a nourri au miel ce petit oiseau. Là, on lui a trouvé plein de petits. Ouais, insectes. Des moucherons qu'il y avait dans les toilettes. Un gros insecte qu'il y avait dehors. Et voilà, et on est en train de lire tous les deux tranquillement. Et là, on dirait qu'il est un peu fatigué. À Eric Tabarly. Peut-être qu'il a trop mangé aussi. Hein. Ouais, mais de dormir, ça endort aussi. De dormir, ça endort? De lire, ça endort. Droit sur Mossel Bay. Allez, on arrive dans une heure et demie à Mossel Bay, juste avant la nuit. Il a fait un temps de merde toute la journée. Ouais, vraiment, je monte, hop, on commence de là. Et là, on sort, parce que moi je suis pas sorti, et plus il fait froid. Hop, vous m'entendez? Hop. Hop, et on revient. On est en train d'arriver à Mossel Bay sous la pluie, quel temps de merde aujourd'hui alors. Nous sommes en Australie, il y a des kangourous. Il y a des requins partout. Viens, regarde. Viens. Regarde, on te montre, on est arrivé. Nous sommes à Mossel Bay. Viens. Viens. C'est pour toi. Viens. Allez, viens voir. C'est une belle surprise. Regarde. Regarde. Viens voir ce qui se passe dehors. On est à Mossel Bay. Et il re-rentre, il est rentré là-bas. On va carrément sortir le citronnier. Attends. Merde. Regarde. Ah. Regarde. Là, on est près de la terre. Tu vas pouvoir trouver des insectes. Regarde. Le Robinson Crusoe. Il est là. Donc c'est un peu houleux le mouillage là, mais... On est arrivé. Il est parti vers la terre. Oh, trop bien. Wouhou. Youhou, les bananes, on a sauvé un oiseau. Il est parti. Il est parti. Il a regardé longtemps. Et il a regardé un moment et puis il est reparti vers la terre. Ouais, on l'a récupéré. 70 000 au large. Et là, il a regardé, il s'est dit, c'est quoi ce délire? S'il faut, ça fait des jours et des jours qu'il était en mer. Et on l'a sauvé. Oh là là, je suis trop contente. Mmh. Bah là, il va pouvoir se nourrir, c'est bon. Youhou. Tape là, on est trop fort. Je viens de prendre une météo, on risque d'être bloqué un petit moment. On a sauvé le petit pitou, mais trop content. Il allait mourir, on a eu peur un peu juste avant d'arriver, il commençait à cesser de mourir. Je lui ai redonné du miel et hop, il s'est reflanqué. Ouais. Je crois que c'est ce qui est arrivé dans Mozambique, ils se sont laissés mourir parce que... Si on avait pensé au miel... Il a regardé la terre comme ça. Il a regardé, il a hésité. Il a hésité.
Il est parti, il a pris son envol. Merde, j'ai craché. Moi, dessus, il a pris son envol. C'était trop bien, trop génial, ouais, trop content. Ouais. Bon, par contre, je viens de regarder la météo, on risque d'être bloqué presque une semaine. On va passer Noël et jour de l'an ici. Le vent va souffler d'ouest. Ouais, il y a pire. De toute façon, moi je mange des chips. Alors. Ah oui, banane. Qu'est-ce que c'est là ? Banane, est-ce que vous savez ce que c'est ça ? C'est quoi ça ? C'est ma dent. Je viens de perdre ma dent. Pourtant, c'est une belle dent quand même, hein. Il n'y a même pas de carie. Une molaire, je sais pas ce que j'ai. J'approche de la cinquantaine, je perds mes dents. Bah, t'en as jamais eu beaucoup, hein. J'ai juste fait 57 tacs, elle est tombée. Ouais, mais ça fait. Et elle a bougé depuis, la taille. Ça fait 3 mois qu'elle bouge. Ah non, plus que ça, ouais. Ah, ça fait bizarre. J'ai juste fait 57 dingues, elle est tombée. Ah, ça m'a fait du bien. T'es soulagé ? Oui, je suis soulagé. Ouais. Je me demande en plus si ton otite, ça pouvait pas venir de ça. Bah, je vais te faire un pendentif. Ouais, tiens, je vais mettre en boucle d'oreille. Allez, on l'offre à un des bananas. Tu veux gagner ma dent ? Tu veux gagner la dent de Choupi ? Allez. Qui veut gagner ma dent ? On vous offre une dent de Choupi ! Non mais est-ce que dans les bananas il y a un dentiste ? Est-ce que c'est normal que je perds mes dents comme ça ? Bah arrête, tu les as toujours perdues, Choupi. J'ai perdu quand j'étais jeune, mais là. Bah oui, mais déjà quand t'es jeune, de perdre tes dents, c'est pas normal. Allez, ça c'est fait. C'est fait. Même pas besoin d'aller chez le dentiste. Ouais, on vient d'économiser un dentiste. Merci Choupi. Je ne perds ma dent à Mossolbet, on a fait du signe. Non mais c'est pas déconné. Qui perd des dents comme ça là ? Qui ? Mais bébé, attends, elle était tenue de rien. Combien il te reste de dents ? Mais qui perd des dents ? Eh bien, il doit m'en rester 7. Il a plus de dents le Choupi. Mais non, mais. Dans pas longtemps, il va falloir que je fasse la soupe. Et les recettes à jacouille, ça va plus le faire. Il va falloir que je fasse que des soupes à Choupi. Petite souris, si tu m'entends. Petite souris, toi qui amènes toujours une petite pièce aux enfants qui perdent la dent. Ben, Choupi, qui est un grand enfant, j'aimerais bien deux sel drive tout neuf, s'il te plaît. Tu serais bien gentille. Elle va avoir du mal à les porter, la pauvre. Merci, petite souris. Mais laisse-la, c'est la petite souris, elle est magique. Eh ben, il va falloir qu'elle demande des rats, hein, de l'aide. De l'aide aux rats. C'est bon, elle a encore gêné tout le monde. Allez, okay. Bon. Ok, petite souris, deux sel drive tout neuf, tu seras bien gentille. Merci.